milliardaire en CFA, millionnaire en euros, milliardaire en CFA, niaolo na ko. Mama. Celle qu'on a fait une donation d'une je dois que c'est passé sa location. Oui, mais je vais aller là-bas, je dois aller à Paris, je vais vous montrer ma maison. Ouais. Donné par mon mari. Vous avez dit que parce qu'il a les enfants. Mais vous êtes franchement, vous connaissez les lois même. C'est pas parce que tu as un enfant que tu peux pas faire une donation à quelqu'un. Il suffit que les enfants soient d'accord. Ils signent les documents. Mais vous rigolez, non, le notaire va venir, il va faire n'importe quoi. Quand quelqu'un vous dépasse, demandez des conseils à la personne. Vous dit. Quand vous croyez souvent que les gens sont bêtes, je vous demande. J'étais contente hier. Mes copines, j'ai bien dormi jusqu'à. Je m'en fous. Hein. Même si ma côte à la Lyon m'insulte, c'est pas grave. Mais le fait d'avoir certaines informations. Aïe! Rien que le fait d'apprendre qu'Achille est le petit bébé d'amour de la Lyon. J'étais contente. J'ai dit rien que. Achille. Achille en Congolais. Parce que quand c'était mon tour. Vous m'avez lavé jusqu'à envoyer la petite salle là de l'Italie, m'insulter. Non, elle vend aussi le piment. Elle vend le piment. Ah, à l'Italie, elle vend ça à combien? À 20 euros ou à 5 euros ou à 2 euros. J'ai l'app. Fais compte, j'ai l'app jusqu'à aider. Maman, pourquoi ce sont toujours les putes qui insultent les autres putes de putes? Ah! On peut être jalouse de sa collègue comme ça, Nama. Ok. Donc la petite là-bas aussi le piment. Waouh! Elle va ça combien? Quel est le client qui la prend? Combien soit les Mongols? À chacun son client. Maman! La petite là, Lolo, Lolo! J'ai Wanda, j'ai dit que merde! Donc toi, tu. Donc c'est ouvert là-bas en bas. Ah, je comprends. Parce que je croyais que tu étais une petite fille intellectuelle. Tu avais un bac plus 10. Et que. Oui. La façon. Mama, comment tu as pu délivrer ta colère comme ça, Adama? Qui est. Mais je vois. Ah, maman. Hey, on peut délivrer ce qui te nourrit comme ça. Marco. Bienvenue. Bienvenue. Et si le professeur international, personne ne prend ma place sur bêta. Maman, parlez d'autre chose. Mais dans le monde du piment, là, personne ne prend ma place. Je prends sauf que je suis le professeur international. Non. La lion, tu peux même m'insulter. C'est pas grave. Okay. Tu sais que toi, tu vas se laver. Mais ce n'est pas grave. Tu as compris, non? Mais j'ai eu les informations que j'ai Wanda. J'ai dit, hein? Donc, le Lolo qu'elle était en train de parler, là, c'était au fait elle. Mais elle était en train de s'imaginer, sauf qu'elle a souvent donné. Ah, maman, tu peux me faire quoi? Tu es un enfant. Dès ta vidéo est bien au chaud. Ouais, rien que ça te met KO. Ouais, on t'enlève les papiers, on te renvoie au Cameroun. Je te dis. Tu peux faire même un. Faut que vous faites souvent les trucs où il n'y a pas le visage, tout ça. Il faut apprendre à assumer. Moi, quand je fais une vidéo noire, je n'insulte pas. C'est parce que peut-être je viens de faire l'amour et je n'ai pas envie que vous voyez mes yeux après l'amour. C'est tout. C'est pourquoi je fais dans le noir. Moi, j'assume mes actes. Et quand je prononce, je ne donne pas les sobriquets. Je te donne ton nom, ton prénom. Je dis si tu es capable, on va en justice. Ah ouais! Parce que quand j'insulte, je sais pourquoi je te lave. Je ne te lave pas comme ça. Ah oui. Sauf s'il faut taquiner. Et quand je taquine, je n'insulte même pas. Je ne dénigre pas. Jamais de la vie. Je te donne les conseils pour que tu avances. C'est tout. Parce que je suis la preuve. Et qu'un millionnaire en euros. Que vous faites pour vous, on voit. Vous m'avez insulté, non? Millionnaire en euros. C'est ça qui est la vérité. Je suis chez moi, dans ma maison. Et je vais vous montrer la maison de donation. Ouah! La semaine prochaine, je m'en vais faire les tours. Oui. Vous savez, le problème, c'est que aussi, quand vous avez beaucoup de maisons, c'est souvent compliqué. Ne vous mens pas.
Tu ne sais même pas là où tu dois habiter. Merde! Voilà. Et si vous avez remarqué, c'est toujours les waka waka qui insultent très mal leurs collègues. Tu Wanda, tu dis que, hey, au lieu de se soutenir entre eux, pimentière, je Wanda que maman, c'est même la pimentière qui te dénigre. Tu Wanda, tu dis que, hey, Naweti, tu es en train de raconter ce que toi tu vis tous les jours. Est-ce que ce n'est pas ça que moi je vis? Filet, comment il se passe? Ça va? Ma compte, ça fait longtemps. Hein? Je dis que, ma compte, ça va mon cœur. Je suis le professeur à l'international. Merci. International, hein. Maman, je me suis mariée au rare. Maman, deux alliances chez Cartier. Deux alliances. Mon repouvoir, on voit. Deux alliances chez Cartier. Mon nom enregistré là-bas à Cartier. Allez vous renseigner. Place Vendôme. Merde. En tout cas, celui-là, on tape les divers, non? On tape le Congo. Ça, c'est le Congo. Ça, qu'on fait. Congo, ça. Vu que demain, la piscine là, s'il fait encore beau, parce qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Fait vraiment beau, hein. Si demain il fait encore beau comme ça, je dis à mon mari que. Je vais dire à mon époux. Mon époux, mon mari. Mon mari que j'aime plus que tout. Ma vie. Ma raison de vivre. Maman, le gars montré ici en direct que j'aime ma femme. C'est comme ça qu'un homme doit valoriser son épouse. Il vous a montré comme ça. Vous connaissez? Vous connaissez l'histoire de Dada? Est-ce que c'est que, maman, vous êtes mes témoins de mariage? Maman. On attendait. Lui au moins, s'il a fait. On va aussi voir pour vous. Parce que pour dénigrer les maris des gens, vous êtes très fort. Très fort. C'est magnifique. Mes cheveux, si avec l'histoire, si des ongles, si mes cheveux, si. Vous dites que mes copines, nous nyangais bien, mais parfois. Il faut que j'enlève ça. Je laisse reposer. Je prends les vitamines pour faire. Vous savez, il faut prendre les vitamines. Il faut souvent laisser reposer ça même pendant une semaine. Pareil pour les cils. Parce qu'après, vous laissez reposer, vous prenez des vitamines. Vous allez voir le médecin. Les vitamines, les compléments alimentaires. Là. Ça vous aide à faire pousser les ongles vite, vite. Là. Mais achetez les trucs en pharmacie, les vraies choses. N'allez pas acheter les choses que après demain, vous allez avoir l'arrêt cardiaque. Parce que c'est très dangereux. On ne prend pas n'importe quoi. Je suis avec un médecin, je sais ce que je vous dis. D'accord? Ma Nicole. Je Wanda. J'ai dit que. Donc la petite s'y vend le piment. Parce que la façon dont elle m'avait dénigré comme si j'étais dépassée. Elle dit que maman, tu veux le sac? Tu veux que je t'ouvre? Tu veux quel sac? Attends. Tu veux que je t'ouvre quel sac, mamie? Voilà. Tu veux que je t'ouvre quel sac? Quel sac que tu veux, maman? Tu veux quelle qualité? Hein, je t'offre, maman. Je t'offre. Quelle qualité. Hein? Ma copine. Tu veux quelle qualité? Je t'offre ça. Genre, viens prendre, maman. Tu vas mieux vendre le piment. Peut-être ton piment sera à. Peut-être de 20 euros, ça va aller peut-être à 100 euros. Oui. Parce que c'est le capital. Tu veux la perruque. Hein? Tu veux la perruque. Maman, j'ai ça partout, versé. Prends même une partie ici. Attendez, je montre. Parce qu'on m'a dit que tu vas le piment, j'ai dit que non, c'est pas possible. Il faut que je te customise. J'essaie de t'arranger. Tu veux laquelle? Voilà une partie. Vous savez que moi, je suis beaucoup aux perruques. Je fais beaucoup. J'aime bien les perruques noires. Je veux souvent changer, mais ça me dépasse. Les perruques de couleur, là, me dépassent. Vous parlez par mes copines. Je me suis dit que non, c'est pas possible. Il faut que je puisse la customiser, mes copines. Parce que c'est pas normal. Parce que non, elle est encore mince, ça va, elle peut passer au marché. Mais on ne doit pas ranger. Je vais créer ma marque de cosmétiques. Elle va d'abord se nettoyer même pendant un mois. Parce que vraiment, il faut que son piment puisse avoir un peu de valeur, ça puisse piquer. Son piment, là, j'ai l'impression que ça ne pique pas.
piment là de Nicole, Ketcha. C'est Ketcha, non? Parce que moi, je ne donne pas le nom. Je te donne ton nom, ton prénom. Avec ça, tu pars à la police, tu portes plainte. Et là, je sors le dossier. C'est comme ça, demande aux autres. Elles-mêmes sont restées KO. Ouais, ok. Je te prends, oui, que je prends, je t'offre un sac. C'est avec facture, hein. C'est avec facture, je te signale. C'est pas du faux, hein. C'est avec facture, ma chérie. Tu as vu ça? Facture à la puce. Ne fais pas les petits trucs de saleté là. Vous croyez que les gens sont. Hein? Vous croyez que les gens sont là. Ils sont dans les dents de tes rêves. Avec facture et pochette. Hein? Vous voyez? Ça ne me dit rien. Je garde ça pour mes belles filles. Elles auront sur le souvenir. Voici mes belles filles auront ça. Ça décore. Ça ne m'intéresse pas. Te montre mes habits, tu vas rester comme ça, tu vas dire, tu vas écrire bye, mais j'aime bien porter les parce que je suis une personne simple, hein, plus simple que moi, ça n'existe pas. Ah oui, mais j'ai les vraies choses. Si on dit que parler des vraies choses, j'ai les vraies, je te montre les actes comme ça, je te ferme la bouche. Moi, j'ai des corps, pour moi, c'est une décoration. C'est pour mes belles filles, même si dans 20 ans, on dit que ce sont les vieilleries, ce n'est pas grave, maman, n'est-ce pas? Je décore seulement mon dressing. Bon. L'histoire, c'est ça va être maman. Je t'offre la perruque. Viens comme ça. Plein. C'est que je ne sais pas. Ou soit je construis une autre maison. Hein, parce que je vous dis que je n'ai pas de place. J'ai ici, là. J'ai dans mon garage. Je vous montre. Attendez, on tape même les divers. Il fait beau. Maman. Qu'est-ce que vous faites même là avec vous ici? Là? On tape les divers. Mm-hmm. Ça va, Menge? Et Soba, ça va, mon cœur. On table d'hiver. Maman, le graissing, ça c'est le graissing du milliardaire en France. Est-ce que le graissing, si, hein? Ce n'est pas que des parcs Bacho, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir. Je pompe l'air, ouais. Regardez, maman, allez demander, on va vous dire le prix. Maman, regardez, maman. On peut aimer sa chose comme ça, Adama. Hey, j'ai le truc de maquillage et tout. Vous savez, les trucs de petits enfants et tout. Maman, mon jacuzzi. Attendez. C'est pas propre, mais c'est pas grave. Maman, Adama, la femme de ménage, elle vient demain. Parce que vous savez qu'elle vient de temps en temps, pas tout le temps. Tchik, tchik. Moi, je les lis. Tchik, tchik. Ça, ce sont les trucs de pour le Cameroun. Ça, c'est pour le Cameroun. Je suis en train d'acheter les choses déjà pour l'hôtel. Ouais, non, j'achète les thés d'oreiller pour l'hôtel. Donc, c'est les thés d'oreiller Carrefour pour l'hôtel. Parce qu'il faut que les gens dorment bien. Ouais, fabrication française. On dit que c'est bon pour les... Ouais, comme anti-acariens. Blablabla, blablabla. Bla. Donc, j'ai acheté plusieurs comme ça. Pour le Cameroun. J'achète comme ça les sucres en qui. Je sais acheter les supports. Les abattants aussi. Comme ça, j'aime bien. Vous voyez? J'achète comme ça parce que j'aime bien changer les abattants. Les WC là. Normalement, il faut les changer tous les mois. Lorsque vous louez. Vous faites en location. Vous changez ça tous les mois, c'est bien. Et j'aime bien le petit, j'ai le petit singe là que j'adore, j'aime beaucoup. Regardez, il est mimi, hein. Regardez, il est mimi. Oh, il est tout mignon. C'est ça que vous aurez. Les petits trucs maracata. En tout cas, hein, je vais décorer ça comme si c'était ma poupée. Et Adama, on va avoir autant de ça comme ça. La weti. Ouh, maman. Non, je dois donner à Nicole. Je dois offrir un sac à Nicole. J'offre un sac à Nicole, Adama. Ouais. Ouais, on va avoir beaucoup de sacs comme ça. Aïe, Adama. Ouais, Nicole, attends. Vu sur la piscine.
Donc tu es ma collègue comme ça. Et tu m'avais insulté. Bah ouais. Donc tu étais ma collègue. Donc en fait, tu voulais les renseigner. Bah. Mais quand tu veux les renseigner, bah, appelle en privé. Bah oui. Je te donne les renseignements. Bah. Et c'est tout. Que des dénigrés. Lolo. Ouais. Ouais, qu'est-ce que j'ai la vie. Dis donc, la petite, c'est bon aussi son piment. J'ai dit que qui est. En Italie, là-bas, maman, avec la crise économique, les Italiens n'ont plus les dos. Hein. Eh, vraiment. À pas tomber sur les milliardaires comme nous autres. Mmh. Parce que vraiment. Regarde. Vu donc, lorsque je suis dans ma chambre, lorsque je fais l'amour, j'ai la piscine. Oui, la piscine. Et voici mon lit. Et voici la piscine. Ah oui. Nicole, Nicole, Nicole. Nicole, je dirais que c'est pour Nicole. Nicole. C'est comme ça qu'on va t'appeler, les milliardaires vont t'appeler. Nicole, Nicole. Oh, Nicole. Hey, Nicole. Hey. Non, je dois te customiser. Je dois arranger ton physique, arranger un peu ton côté. Tu peux être simple, mais sois un petit peu chic. Oui, oui. Merci. Oh, anniversaire de sponsoriser de 6 mois. Bravo. Eh, ma Nicole. Oui. Pas besoin de l'aide d'un homme. Non, surtout pas. Mm. Pas besoin. Mes copines, pompe-les. Ouais. Fais par moi-même. Même si vous allez insulter, que c'est crémoche, c'est pas grave. C'est pour moi. Le jour que je ne veux plus, je déménage tout ça. Je m'en vais avec ça au Cameroun. Et c'est tout. Ah bah oui, je pompe là au Cameroun avec. Et mon joli petit bar. Oh, lorsqu'on a les trucs. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Ça, c'est mon... Ah oui, vous voyez? Ma cafetière. Ah oui, ça, c'est pour le Cameroun. Et là, c'est pour... C'est la même marque. On a commandé. Parce que comment on va faire le conteneur? Et que la cafetière, c'est tellement mort. On a commandé pareil pour le Cameroun, pour mettre à la cuisine au Cameroun. Parce que j'ai décidé que j'investis au Cameroun, au Brest, pendant 2-3 ans, avant de reprendre ici. Mmh. Mais ça ne m'empêche pas aussi d'investir ici aussi, hein, ça dépend. Ouais, parce que j'ai tellement de garanties qu'il suffit qu'ils hypothèquent, c'est tout. Je pompe les. C'est tout, c'est ça qui est la vérité, pompe. Mmh. Ah, mais quota! Merci, Jeanne! Oui, voilà. Oh, mes coutines, voilà ça. La ménagère vient demain, elle vient nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Mais moi, je préfère souvent nettoyer ma propre maison. Mais de temps en temps, comme Dada n'a pas envie, Dada n'a pas envie que je travaille, Dada, il dit non. Oh, ça, c'est le chauffe-plat. Hein? Le chauffe-plat-plat. C'est comme ça, vous allumez comme ça. Ça chauffe votre assiette et vous refermez comme ça lorsque l'assiette est chaude. Parce que chez les milliardaires, mes copines, chez les milliardaires, il faut chauffer les assiettes. Hein. De toute façon, on ne sert pas avec les assiettes, elles ne sont pas chauffées. Donc, je one, two, crie. One, two, crie. Donc, avant d'insulter une femme, de Lolo, ma chérie, regarde d'abord toi. Mais moi, je vais t'apprendre. Oui. Ah oui, voilà. Ah. Oh, mes copines. Mm. Ah, lorsque je suis là chez moi, j'ai, attendez, connectez-vous, non? T'appelez divers. Daweti, mes copines, c'est votre soeur camerounaise. Elle a réussi en France. C'est ça qui est la vérité. Elle n'a pas besoin de faire les choses bizarres. Oui, on l'attend insulté sur Meta. Elle fait maintenant au Cameroun. Oui. Oui, maman, rien que ce qui est au sol là. Maman, la nuit, ça brille. Maman. Oh. Mes copines, c'est ça qui est la vérité. Château d'As, pompe-les. Même si mon fils me dit, même si Benclay écrit, je suis obligée de bagarrer avec Benclay. Je vous dis que mon fils Benclay, je suis obligée de bagarrer avec lui parce que lui, c'est un champion. Il passe son temps à écrire sur le canapé de maman. Donc, je suis obligée d'acheter le stylo et à chaque fois effacer. Oui, parce qu'il y a les stylos qui existent.
Oh, cette jolie guitare pour les professionnels de la guitare. Je vous montre Pompeleg, Gibson. J'ai des caméras chez moi. Et c'est directement connecté avec la police de mon village. Donc, la gendarmerie de mon village. Donc, vous ne pouvez même rien faire. Je vous dis d'abord, vous faites pas. Regardez. Pour les connaisseurs, ils savent le prix que ça coûte. Renseignez-vous sur Internet. Maman. Ah. Maman, c'est pour mes fils. Donc, Nicole, quand tu décides d'insulter une personne, il faut quand même regarder. Et la personne, moi, je peux parler des autres parce que moi-même, j'ai... je sais que si elles répondent, on va faire seulement comme ça, là. Hein? C'est tout. Oh, mais... Vous voyez? Ah, ça, c'était pour le cadeau parce que mes enfants, et, ils sont dans une école de guitare. Ça, c'était mon petit. Lorsqu'il avait 1 an, on avait offert ça. Et c'est une bonne guitare. Renseignez-vous. Ah oui, j'adore la musique. Voyez, et là maintenant, ah, là ce sont les livres anciens. Vous avez dit que j'étais illégrée, j'ai accepté. J'ai dit que ce n'est pas grave. De toute façon, c'est moi celle qui connaît ma valeur. Mais j'ai quand même les livres des milliardaires. Ah, ça c'est Amore. Je cache d'abord Amore. Oui, je cache Amore. Parce que j'ai décidé de cacher mes hommes. Parce que on m'a volé Johnny. Je n'ai plus envie qu'on me vole quelqu'un. Surtout pas. J'ai plus envie qu'on me vole un chéri. Parce que lorsqu'on m'avait volé Johnny, j'ai pleuré jusqu'à... j'ai décidé que plus jamais on va me voler un mari. Donc je cache. Mais quoi, je cache. Il y a les petits enfants que vous n'avez pas besoin de voir. Mais je vous montre mes livres. Mes enfants, vous les connaissez déjà. Ce n'est pas bien grave. Mais les autres, ça ne dérange pas. Le papa de mes enfants, vous connaissez déjà. Ça, ce sont mes frères et sœurs. Je sais pas, vous n'avez pas besoin de les connaître. Vous voyez, pour une personne qui ne sait pas lire, ni écrire, parce que déjà ce qui parle d'illégrisme, l'illégrisme c'est celui qui ne sait pas lire. Mais l'illégrisme ne veut pas dire que la personne est bête. Mais vous avez dit que je suis illégrisme, parce que vous vous prononcez souvent les noms illégrisme, vous ne connaissez même pas ce que ça veut dire. Hein? Mais j'adore lire, j'aime la lecture. Donc c'est le pourquoi j'ai investi dans le livre, et le livre ancien, le vrai livre. Vous avez compris, mes copines? Donc vous voyez, ah, oh, ça c'est le vrai livre, Adama. On peut lire comme ça. Ah ben, ça c'est le vrai livre. Ah, oh, maman, vous voyez, non, rien qu'un livre comme ça, ça te nourrit pendant 10 ans. Vous avez compris? Oui, regardez. Il y a la larme, vous s'y a d'abord. Vous avez vu ça? Hein? Il faut lire. C'est vous qui avez fait l'école. Maman. Oh, Adama. Oh. Regardez-le. Oh, mais j'ai trop de... Oh, je suis fatiguée. Je vous dis que mes copines, je vais ouvrir une boutique au Cameroun. Je suis fatiguée de mes chaussures, de mes sacs, de mes manteaux. Thomas, tu montes là, tu as seulement les manteaux, les chaussures, tu es même fatigué, tu dis que, yeah, maman, je veux vous vendre tout ça, mes copines, on va ouvrir la boutique, regardez, les habits, maman, les chaussures, t'en peux plus, tu ne sais même plus là où mettre les chaussures, tu dis comme ça, plus même tu as les chaussures, plus tu te dis que, hey, mais je n'ai même pas de chaussures. Attendez, on va porter ça. Parce que moi, alors, j'aime souvent les choses simples, mes copines. C'est le genre, c'est que moi, je veux porter tous les jours. Je laisse les Pumas, les Louis Vuitton, les Louis Vuitton, c'est la qualité. Si je suis chiouillette avec ça, j'adore. C'est ça qui est la vérité. J'aime ça. Oh, les chaussures, t'en peux plus. Tu te dis, oh lolo, j'en ai marre.
J'en ai marre. Eh, on dit que oui. Ne reprends pas, c'est pas de ta catégorie. Je reprends à qui je veux. Ouais. C'est pas question que c'est pas ta catégorie. Ouais. Quand tu vends ton piment, apprends à bien le vendre. Ne vends pas ça comme ça parce que tu es dans la misère. Ouais. Tu vends ça bien même. Tu comprends? Quand toi, tu viens insulter une personne comme moi, tu es venu insulter parce que tu veux être fabriqué et tout. Mais viens demander, tata, donne-moi même une paire de chaussures. J'ai les chaussures là, n'importe plus. N'importe plus. Celle-là, versée ou mais j'ai décidé de vendre même ça. Ça n'empêche pas que je peux t'offrir une paire. Hein, ma Nicole? Je te montre la salle de bain de mon bébé. L'international, je ne discute pas ma place avec qui que ce soit. Vous pouvez signaler, je m'en fous. Vous pouvez voler, je m'en bats les couilles. Excusez-moi du terme. Je m'en fous. Je recrée une page. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Tant que Facebook va nous donner l'autorisation de créer les pages, vous allez sauf que... On va sauf que créer les pages. Et mes bébés d'amour vont partager. Et vous serez au courant. Regardez. Ah, le monde du milliardaire. Fait par moi-même. Mes copines. Attendez, vous pompez l'air. Ah, maman. Je suis contente parce que c'est ma deuxième maison. Vous savez, la première maison, c'est celle du Cameroun. Vous avez tellement dit que je n'ai rien au Cameroun. J'ai dit à mon mari, maman, on me dit que je n'ai rien au Cameroun. Ouais. Il dit quoi? Qui a dit ça? J'ai dit que c'est tata Nicole. Tata Nicole a dit que je n'ai rien. Et donc, quand je coule l'eau, il dit, ah, c'est pas possible ça. Tata Nicole, et je vais faire en sorte que tata Nicole te respecte. Alors, tu veux l'hôtel où? Yaoundé. Oui. Douala. Oui. Écrivez. Oui. Ok. Ça, c'est mon fiston. Les voisins sont en train de faire. Ah, c'est joli le jardin. Regardez le jardin de mes voisins. Ils ont le jardinier là. Ah, c'est elle-même. Maman, elle est photo, la mamie là. C'est elle-même qui tombe comme ça. Maman, Adama, on peut tomber comme ça. Non, ça c'est joli, j'adore son gazon. C'est magnifique. C'est oui. C'est ma voisine. Ouais, ça c'est pour mes garçons. Et là, c'est le chiot. Lorsqu'ils seront grands, ils iront l'urinoir. Ils feront pipi et caca ici. Et pipi ici. Ça c'est pipi. L'urinoir. C'est pas. Des gens ne mettent plus ça parce que ça coûte cher pour rien. Mais moi, je l'ai mis parce que c'est plus agréable. Vous pouvez vous renseigner parce que vous aimez les preuves. Oui. Vous pouvez vous renseigner, mes bébés. Ouais. Maman, c'est un genre de... Vous pouvez vous renseigner. Mettez les cœurs, les copines. C'est votre sœur camerounaise qui a fait en France. Les gens voient. Aura. Hein? Vous pouvez vous renseigner. Et c'est la même gamme. C'est la salle de bain de mes enfants. Donc, désolé, hein. Si vous voyez que vous connaissez les enfants, vous voyez ça. Ça, j'ai ramené des petites choses là du Cameroun ici aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, c'est pour... Et je vais même acheter plus. Parce que je suis en train de faire le conteneur. Donc, j'achète des trucs comme ça, c'est pratique. Tu vois, protection efficace, anti-acarien. J'espère que ce qu'ils disent, c'est bien. Vous voyez? Ouais. Mon projet. Vraiment. Vraiment. La copine de dessin. Il faut que mon jacuzzi là. Plus que le jacuzzi. Ouais. Nicole. Ah, maman les milliardaires. Ah, Nicole. Je vous jure que si on arrange Nicole, elle va gagner les milliards. Je ne vous mens pas. C'est une belle femme. Nicole est belle. C'est parce qu'elle se néglige, c'est tout. Sinon, elle est belle. Sans vous mentir, c'est une jolie petite fille. Et tout. Elle-même, elle se néglige mal.
Ouais, c'est néglige. Si elle s'arrange un peu là, elle va faire mal. Elle va faire mal. On a la cave aussi. Hein. Oui. Ça, c'est pour la... C'est pour que les bulles ne partent pas. Je suis une femme au foyer, je vous manque pas. Hein. Une femme au foyer, une rentière millionnaire. Celle qui est rentière mais qui ne pompe pas l'air dans le vide. Elle n'a pas besoin de vous montrer les jets privés. Moi, je vous pompe l'air avec les maisons. Je vous pompe l'air avec les réalisations. Je n'ai pas besoin de vous pomper l'air en vous disant que oui, j'achète les sacs. J'ai tout ça là, ici, là. Est-ce que vous voyez même porter ça? Je m'en fous de ça. Les bijoux, j'ai ça partout. Je m'en fous de ça. Je garde ça pour mes belles filles. Mes belles filles qui vont épouser mes garçons. C'est là. Cadeau, genre. Vous avez compris. Mais si elle quitte mes garçons, pardon, elle me redonne d'abord. Sinon, je fais comme ça, mais elle est tôt. Je porte plainte. Je dis que tu as la facture, madame. Oh, attendez, je vais vous montrer la deuxième maison. Parce que vous savez que moi, j'aime les grandes choses. C'est comme ça, c'est ça mon défaut. Je vais regarder si on a mis les clés ici. Oh, oh là là. Ah, ils n'ont pas posé les clés là, je vais regarder. Mes copines. Merci, merci. Oh, donc là, c'est quoi le dessus? Dès qu'on te dit, eh, vraiment. Ah, c'est là. Lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un. Ouais, je sais qui m'a mis alors mes clés là. Je vais appeler Dada. Oh. On faut mes clés, quand même. La waiting. On va l'appeler. Ouais. Je dois envoyer les perruques de mes clientes là. Mes copines, excusez-moi. Hein. Vos perruques sont arrivées. Je vous envoie ça demain matin tôt. Il n'y a pas de souci, mes chéris. Ouais. Vous savez que gérer les histoires au Cameroun, là, maman, il faut être fort. C'est pas facile. Parfois, ils vous prennent la tête toute la journée. On va faire comment? J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir parce que s'ils me décevent, ils veulent pleurer. Si mon propre pays me descend, je veux pleurer. On ne ment pas. Je veux venir pleurer. Merci. Comment ma co, ça va, ma chérie? J'appelle. Il faut que je vous montre. Quand même. Oui, comment mon cœur? La clé pour l'autre maison, tu l'as mise où? Elle est ouverte? La clé de la deuxième maison. Oui. De la maison d'invité. Elle est où? Ah oui, ok. Je vais. C'est comme d'habitude là. Ce que tu as mis tout à l'heure. D'accord. Je vais regarder. Parce que je montre à mes bébés d'amour la deuxième maison. La maison que j'ai construite. Oui. Ok. Aïe. Bon, bisous, hein. À tout à l'heure, mon cœur. Ah, ça, c'est la maison des invités. La maison de ma maman. Que j'ai construite en France pour ma maman. Parce qu'il était hors de question que ma maman soit dans... Vous voyez, j'ai dit quoi? Ou je suis de Monaco ou je ne suis pas de Monaco. Tu ne peux pas avoir une fille comme moi, comme ça, là. Et... Naweti, tu vas aller dormir dans les HLM. Naweti, Adama. Soit je suis Monaco, soit je ne suis pas de Monaco. Ouais. Maison qui vaut beaucoup d'argent. Je suis fière, je suis contente de ça. Et je souhaite à tous mes bébés d'amour de faire plaisir à leur maman. Pareil. Vous avez compris? Oui. Lorsque mère a souffert pour ses enfants, il faut apprendre à faire plaisir. Moi, mon jardin, il faut que j'arrange encore tout ça. Ça, c'est la piscine. Demain, s'il fait beau comme ça, demain, on va nettoyer ça. On nettoyait toutes les fleurs là et tout qui sont tombées. Là, la pierre aussi, on va nettoyer parce que la pierre doit être comme ça. Mais là, c'est normal, c'est l'hiver. Et tout, maman, mon truc de lumière, ça, il faut que l'électricien passe pour m'arranger ça et me poser la télé. Hein, ça, c'est bon. Regardez. Ça, c'est mon sauna. C'est tout ça, c'est mon sauna. Oh, c'est agréable. Je suis contente. Oh,
Vous voyez les plantes comme ça poussait les palmiers là. On dirait que nous sommes dans les îles, mes copines, les Caraïbes. Aïe, attendez. Là, je dois ouvrir mon. Non, non, attendez, on va d'abord chercher la clé parce que j'ai mon deuxième salon. Mon deuxième salon. Maman, je pompe l'air. Excusez-moi, j'ai travaillé, je n'ai pas volé, ce n'est pas pour quelqu'un. Après, ils vont vous pomper l'air dans ma maison. Hériter ma maison qu'on m'a donnée. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ah, aïe. Ouais. Attendez, on va. Faut que j'ouvre mon garage. Mes copines mettaient des cœurs. Oui, maman, que la tâchette existe, ma chérie. Non, c'est parce que pour le moment, j'ai tellement de choses. Vous savez que je n'ai pas l'habitude d'investir en Afrique. Donc, je dois contrôler. C'est pourquoi ma marque existe, elle est protégée, hein. Elle est protégée, maman. Les bips là, et les clés montent et descendent. Les... C'est vrai qu'elle n'est pas partie avec toutes les clés. Ah, j'allais vous montrer une jolie petite. Ah, ce n'est pas grave. Il a dû partir avec ça. C'est pas grave. Vous allez voir mon beau petit salon. Beau petit salon fait par Natacha, la marque de l'heure. Ah, c'est là. Natacha. Moi-même, j'aime bien blaguer. Natacha. Mais pour le cosmétique, ça serait Natacha de Monaco. C'est tout. Les cheveux, ça serait Natacha. Je vais créer ça. Je vais créer ça. On dit que les filles qui font le cosmétique, je vais voir si ça gagne des milliards. Mais mes copines, je vais tester. Je vais vous dire si ça rend un milliardaire. Quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps, nous allons aussi créer notre marque. Des produits pour les filles qui veulent arrêter le jansa. Ça va être fait ici, en France. Pour toutes les filles qui veulent retrouver leur teint naturel. Moi, c'est ça. Je fais quoi avec le jansa? Je vais créer pour toutes les filles. Et je vais choisir même 5 cobayes ici, là. Hein, qui vont tester les produits qui seront faits dans les laboratoires français. Oh, j'adore mon... Regardez. Que de basket. De mon bébé. Oh, mon beau petit jardin. Et cet été, on va bien arranger, là. Bonjour, et doudou. Ah... Ça, il y a déjà beaucoup de choses pour le Cameroun. Beaucoup de choses pour le Cameroun. Oh, ça, c'est mon salon de coiffure. Ça, c'est mon salon de coiffure. Ah, salon de coiffure de Natacha. Qui fait en même temps un bureau et tout avec mes petits bébés. Mon salon de coiffure avec les étés. Hey, maman. Ah, ça est magnifique. Donc, il faut que j'ouvre ça, que le soleil entre un peu. Ce serait bien. Très bien. Que ça se... oh. Oui. Natacha. Ça, c'est mon salon. Hein. Avec tous les produits. Natacha. Avec ses héritiers. Natacha. Vous savez que moi, mes enfants, hein, j'ai l'autorisation de leur papa de mettre sur Facebook. J'ai l'autorisation. Regardez, face au jardin. Oh, Natacha, Natacha de l'international. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux sur Meta. Ce n'est pas que c'est la maison d'un homme, que le monter, le descend. Maman, si c'est moche, c'est moi qui ai fait. Vous me pardonnez seulement. Si c'est joli, c'est aussi moi. C'est Natacha, l'international. Ouais. Natacha. Vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller au salon. Même pas besoin d'aller au salon. Cette année, je vais mettre la clim. Hein. Ici, là-dedans, parce que vraiment, je vous dis que mes copines, la clim, c'est important. Ah,
Ça, c'est pour que les enfants courent et jouent. On va commencer à nettoyer les... Vous voyez la campagne. Je suis dans la campagne. La nature. J'adore. Parce que lorsque je sors de la ville comme ça, je rentre chez moi, je veux la tranquillité. Comment? Je dois... Mon jardinier, là... Moi-même, je vais être sur place lorsqu'il fait ces choses-là. Parce que j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Ah, ici, là, j'adore cette vue-là. Regardez, ça, j'adore. Là, on sent. Aïe, regardez, lorsque c'est comme ça, là. Aïe, maman, Adama. On peut être fier de son... Aïe, Adama. Adama. Aïe, Dakota. Écoute, je suis trop fière. Parce que vous savez que quand vous êtes chez les gars, là, maman, ils vous font le chantage. Dès que ça ne va pas, prends tes affaires, sors de chez moi. Maman, au moins, ça, je ne saurais jamais ce que c'est. Ça fait tellement pitié, souvent mal. Elle dit que mes copines, même si c'est comment, maman, les histoires que, oui, t'es mariée, ouais, t'as le gars. Le jour que le gars t'abandonne, tu fais comment? Tu pleures. Maman, jamais de la vie. Je suis née seule. Au ventre de ma mère. Je veux mourir seule. Donc, tant que moi, je ne réalise pas mes choses, je m'en fous. Tu peux me dire quoi, quoi. C'est même pas mon problème. À chacun sa chance. Ah, là, ce sont les toilettes extérieures. Donc, avec les copines, cet été, avec les copines, on pourrait boire du champagne. On se fait des nattes africaines, là. Et on boit du champagne ici. Et on danse. On met la musique. Et on pompe l'air. On se fait là. Hein, mes copines? Maman, il faut venir, mes copines. Il faut venir, on va faire les ambiances comme ça. Hein? C'est ma deuxième maison. La première, c'est au Cameroun. Moi, j'aime les grandes choses. Mais je peux vous dire que les taxes de ça. Les taxes foncières. Maman, c'est n'importe qui habite dans les grandes maisons en France. Les facturations de ça. L'électricité de ça, l'eau de ça, les assurances de ça, Adama. Oh, j'adore. Ça, c'est le papa de mon enfant qui avait mis ça. Mes enfants. Papa de mes enfants. J'adore. C'est mignon. Là, on a coupé les bananiers, ça n'a pas tenu. On a coupé les bananiers, ça n'a pas fait tenir. Oh, le gazon. Il faut qu'on arrange ça, là. Je dois lui dire de me mettre les plantes, là. Parce que vous savez qu'il y a les plantes l'été. Là, c'est mon... Attends, c'est mon local poubelle. Local poubelle. C'est magnifique. Hein? Ah, ici, là, on met souvent les fleurs uniquement pour l'été. Et on enlève ça parce que ça meurt l'hiver. Là, c'est mon local. Là, dans la... On peut avoir un grand local comme ça. Merde, la wétiche. La wétiche. C'est immense. Je suis fière. Je suis contente. Ah, oui, il m'a dit. Attendez. Vas-y. Vérifie un truc là. C'est alors qu'on ouvre. On ouvre les grands, oui, là, comme. Comme c'est lui qui connaît tout ça. Ah, y a. C'est pas grave. Je vais l'appeler pour qu'il m'envoie le code. Parce qu'il faut que j'ouvre quand même la maison. Ah, regardez le beau jardin. Ah, le beau jardin. Comment les enfants ne peuvent pas avoir un suivant, hein? Les enfants sont à l'école primaire publique. Non, pas besoin. Je ne les dépense pas 100 francs pour l'école privée. Je suis sauf que pour l'école publique. Oh, ah. Ouais, parce que c'est grâce à ça que je pourrais les mettre dans les écoles de formation lorsqu'ils seront adultes et grands. Grâce à ça, il suffit que maman loue seulement ça. Parce que moi, je n'aime pas vendre mes choses, maman. Hey. Ah, la terrasse, on doit couvrir ça. Ah. J'adore mes copines. Maman, je pompe l'air. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Pompe.
Avec ça, les enfants peuvent inviter leurs amis, peuvent jouer. Ils sont à l'école publique, mais ils sont très heureux. Pas besoin de pomper l'air. On attend lorsque ça sera les à 20 ans, à 15 ans, les grandes écoles de formation, oui. Là, maman, ils mettent tout ça en location, les enfants, même si ça coûte combien de millions. Ah, va. On va louer, c'est tout. On va aller habiter au Cameroun. Je loue, je vous paye l'école, pas besoin d'un homme. Je veux me débrouiller seule. Je n'ai pas besoin d'aller écrangler quelqu'un. Ah, mais quand t'as des oui, téléphone est où? Donc, il est parti coiffer. Il est parti chez le coiffeur. Pourquoi on coiffe? Hermès. Ah, un instant, je vais lui dire quand même parce qu'il faut que j'ouvre ça. Mes copines, on pompe les noms, venez, on pompe les. Voilà. J'appelle d'abord Dada. Je cache son numéro de téléphone, on ne sait jamais. Je cache. Je cache le numéro de téléphone de mon mari. On ne sait jamais. Oui, envoie-moi par SMS. Le code, s'il te plaît, je ne me rappelle plus. S'il te plaît, je suis en direct. Oh, ma copine Carole, ma chérie, ne t'inquiète pas. Envoie-moi les dos, je t'envoie les perruques, la perruque. Et ma copine, et le cadeau. Et ma quota. Ça, ce sont mes quotas, mes vrais quotas. Je vais vous inviter cet été, on va sauf que pomper les. Attendez. J'ai tellement les codes dans ma tête que... C'est bon. Ici, c'est bon par ici. Ici. Le code. Oh. Hey, hey. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ah oui. Non, j'avais tout. Je vais d'abord boire ma petite coupe de champagne. Petite coupe de champagne. Mmh. Et mes copines. Mmh. Ça, ce sont les vraies réalisations. Après, je dois vous pomper l'aide pour les meubles, pour les appartements. Mmh. Mmh. Parce que moi, je réponds comme ça maintenant. Je n'ai plus le temps de clasher. Je te réponds comme ça. C'est ça qui est la vérité. Je filme, je n'ai pas volé. Ah oui. Je filme sauf que. Parce que j'ai pas volé. Ah oui. Je suis contente. Ah. La preuve est que la France donne la chance à tout le monde. Je suis la preuve vivante. Aura. La preuve est que les Français donnent la chance à tout le monde. Maman, venez. Attendez. Je veux mettre. Avec, faut que j'ouvre quand même. Aïe. C'est bon. Ah. Ouais. Youpi. Youpi. Ah. Ça fait du bien. Je vais à d'abord arrêter l'alarme. Parce que je ne veux pas que l'embir arrive, mais madame. Oui, madame. Hé, hey, l'olivier. Je l'ai pris petit et là, ça pousse. C'est magnifique. J'adore les arbres. L'autre qui est mort là, l'hiver l'a tué. Donc, il faut qu'on remplace. C'est dommage parce que ça avait déjà bien poussé. C'est dommage. Mais là, c'est pas grave. Je vais remplacer. J'ai mes lumières la nuit. Parce qu'un jour, je ferai le direct dans la nuit. C'est aujourd'hui. Vous avez l'impression, hein, c'est comme l'aéroport. Il y a les lumières partout. Et tout. Et mon arbre aussi a bien poussé. Oh, c'est magnifique. Hé, mes copines. Oh, colo. Maman, il faudrait que je mette le tapis royal ici. Tapis rouge. Parce que... Chez les milliardaires, vous savez que j'adore le mot milliardaire. Maman, avoir beaucoup de maisons, c'est pas facile. Hein. Je vous mens pas, mes copines. C'est pas facile. Je vous dis.
Ce n'est pas chez toi ici. Hein? C'est pour le père de tes enfants. C'est pas chez toi ici. Pas chez toi ici. C'est pas chez toi ici. Maman, 10 heures de direct juste pour insulter l'enfant de quelqu'un. 10 heures de direct juste pour insulter l'enfant de quelqu'un. C'est pas chez toi ici. Hein? Tu peux avoir quelque chose. Elle veut dire quoi? Que son piment peut piquer plus que le piment de qui? Je m'en fous. Hein? Quand vous êtes toujours en train de mépriser, vous manquez de respect. Elle veut nous dire que quoi? Faut que je laisse un peu la lumière passer là. Moi, je suis quelqu'un de très maniaque par contre. Et lorsque on me fait le ménage n'importe comment, je n'aime pas ça. J'ai un problème avec le ménage. Je vous dis, ma copine, j'ai un problème avec le ménage. Je n'aime pas lorsque le ménage est mal fait. Oh, maman, on peut recevoir ces invités comme ça, Dama. Maman, à part les milliardaires qui ont les maisons pour inviter, est-ce qu'on peut recevoir les invités comme ça, mes copines? Parlons vrai. Adama. Adama. C'est quel est le produit qu'elle a mis là que ça fait des grâces comme ça? C'est incroyable. Ça. Elle m'a, maman, quelqu'un m'est venu me gâter. Elle sait comment j'ai souffert pour avoir mon argent. On vient me... Regarde même là. Au lieu de jeter ça à la poubelle. Là où est-ce, Adama? Ah, maman, le village des milliardaires. Ah, maman, la maison des invités. Aïe, Adama, même les invités ont le sèche-linge. Même les invités ont le sèche-linge. Maman, lave le linge, mais maman, avec le kilo de ça, 11 kilos, maman, tu peux même laver la couette. Oha. Maman, même les invités ont ça. Aïe, maman, on peut gâter ses amis comme ça, Adama. Ouais, vraiment, le jour que vous allez comprendre que n'écoutez pas ce que les gens vous racontent sur Meta. Je n'ai pas parlé à quelqu'un, c'est pour moi, c'est ma maison. On peut gâter les invités comme ça, Adama. Jusqu'à même, ils ont, hey, maman, Candy, la marque Candy. Hey! Non, ça veut dire que tu aimes les amis quand même, mais. J'adore les copines, sauf que les copines me déçoivent. Pas toutes. Parce que j'ai une très bonne copine. Elle ne m'a jamais déçue. Je ne parle même pas Crudel sur Meta. Parce que j'ai même déjà peur de partager mes copines. Maman, tu vas venir me voler mes copines. Après, elle va encore pleurer. Elle va venir pleurer sur Meta. Hey, on peut aimer ses invités comme ça. Adama. Ah. On peut aimer ses invités comme ça. Là où est-il? Voilà. Vous savez comment j'aime le luxe. Vous savez que j'aime le luxe. Ça terrasse. J'aime le luxe. J'ai un problème avec le luxe. C'est que j'adore le luxe et j'adore le blanc. Même si vous avez dit que je suis dans le moukouan, ce n'est pas grave. J'aime le luxe et le blanc. C'est magnifique. Hein? Ah, juste dans le jardin. Maman. Ah, j'ouvre partout là. C'est demain. Madame vient faire le ménage. Il faut qu'elle fasse bien le ménage. Oh, maman, la douche italienne. Maman. Douche italienne. Pompe-les. Pour avoir une douche comme ça là, voilà. Il faut avoir les côtes. Les côtes solides dans l'Europe. Aïe. Aïe. C'est l'enfant de quelqu'un qu'on a insulté comme ça. Regarde ce qu'elle fait que pour ses invités. Ou pour sa maman. Ça dépend. Quand maman n'est pas là, c'est pour les invités. Mm-hmm. Ouais. Seulement gratuit, genre, tu donnes genre comme ça. Aux gens, genre en Europe ici. Que même on loue même la cave de 2 mètres carrés. On va te dire ça, elles sont bons. Ça, tu donnes genre par gentillesse parce que tu as un bon cœur. Parce que tu es généreuse. Parce que tu es gentille.
Comment Eric? Ça va? Dedans, tu es dans mes conneries là. Eh, ok. Eric est là, il écoute aussi mes conneries. Coucou Carole, ça va mon cœur? Ah, je monte, c'est pour les. Maman, mes copines, c'est pour vous. Maman, si vous venez, je vous loue rien. Mais par contre, les autres, je loue. Oh, ah, donne pas le lait. Vous voyez quoi? Lorsqu'on a une grande maison, il faut penser que tu vas pouvoir payer les factures de la grande maison. Parce que pour vous dire que la grande maison, c'est pas facile. Hein? Non, si tu ne mets pas des petits, tu ne fais pas des petits placements de capital comme ça. Mes copines, tu vas te retrouver. Ah, elle n'avait pas fait le ménage. J'allais m'étonner. Et tout. Parce que là, c'est pas rangé. Donc, demain, elle va venir. Elle va tout ranger. Oh, la vue de ça. La vue sur les Pyrénées. La vue sur les milliardaires. Regardez les Pyrénées. Oh là là. Ce sont les Pyrénées. Oh. Eh, vous connaissez même les Pyrénées. Les Pyrénées, ce sont les montagnes. Mes copines, je vois les Pyrénées. Maman, vous savez la vue, si. Hein? Les gens seront prêts à payer de l'or. Ah oui, des fortunes pour avoir cette vue. Je vous dis, hein, de blaguer, parce que vous voyez ça comme ça, les montagnes, là. Les gens payent des fortunes, hein, pour voir ça. Moi, j'ai ça. Comme ça, en direct. Ah, ça donne bien ici, hein. J'aurais dû faire une terrasse ici. Je regrette. Ça, c'est... Ils ont criché mon modèle. Cricheur. Qui vous a dit de cricher? Le modèle de la tachate. Vous m'avez criché, hein. Mais je vais vous demander les droits de... de modèle. Vous avez criché mon modèle, mais c'est pas grave. Je vous offre. Vous voyez, une africaine, elle vous donne des idées. Ils ont aussi fait deux maisons comme moi j'ai fait. Mais chacun son portail. Quand tu as ton idée, les gens, ils viennent cricher. C'est alors comme ça, le monde. Le monde. Imitation. Ah, chaque chambre a sa petite terrasse. Donc, vous pouvez louer, hein, si vous voulez. Et tout, voici ça. Si vous voulez louer, c'est la pierre. Ah oui, c'est la pierre. La pierre naturelle. Ah. C'est la pierre, hein. C'est pas un embracata. Ah, il faut qu'elle nettoie. C'est la pierre. Ah, regardez la vue. Regardez comment c'est joli. Non, mais attendez, je vous montre bien. Regardez comment c'est joli. Waouh, c'est magnifique. Maman, une petite Camerounaise, une petite fille. Ouais. Maman, il y a des enfants que tu ne sais même pas comment leur maman les a donné le lait. Ouais. Comment un petit bébé peut avoir des idées comme ça jusqu'à même. Je vous dis que mes copines, j'ai tout. Je disais au jardinier, au paysagiste, monsieur Salas, qui m'a un peu escroqué. Il m'a même beaucoup escroqué parce que j'ai dû racheter les plantes, replanter. Mais. À l'époque, avant que monsieur Salas ne me bouffe mon argent, c'est moi qui lui disais, fais comme ça. Mais il m'avait chopé les dents. Je suis allée au tribunal avec lui. Parce que moi, on ne me bouffe pas mon argent. Tu manges mon petit argent. Les gens se sont tellement moqués de moi. Tu mets ta queue, tu manges, même si c'est 1 euro. Tu ne fais pas le travail que je t'ai dit de faire. On va qu'en justice. C'est tout. Parce que demain, après demain, les gens vont encore venir se moquer de moi. Non. Pardon. Voilà. Ah, oh, c'est joli, hein. Ouais. L'international, la seule et unique milliardaire de Meta. Il n'y a pas son deux. Celle qui pompe les caves les maisons. Ah. Ah, oh, c'est agréable. Celle qui pompe les uniquement avec ses propres maisons. Et pas n'importe quelle maison. Pas les vieilles maisons Mrakata. Ouais, parce que je suis obligée. Vous m'avez cru insultée. Désolée. Ah, oh, chacun a sa salle de bain. Oh, mais comment? Aïe, ils ont laissé le chauffage. Ils s'amusent avec mon argent. Ils me laissent le chauffage. Ils rigolent ou quoi? Naweti, je touche ici, ça chauffe. Maman, mes dos. Dans mes dos. Hé, hey, c'est la sorcellerie ou quoi? Ou vous voulez que je n'investisse plus en France? Je veux sauf qu'investir. Moi, je ne donne pas mon argent n'importe comment. Donc, je vais d'abord dire à la femme là que ne mets plus le chauffage comme ça là. Il y a le chauffage au sol. Tu n'as pas besoin de mettre le chauffage. Voilà. Elle veut vous bouffer mon argent. Hein? Je vais venir ici après. Je vais vivre la vie de reine pendant 1 an après. On vient se moquer de moi. Non! Je calcule tout. Tout mon centime.
les invités, hein. Aïe, on peut aimer ses invités comme ça, Adama. Ça va. C'est vrai qu'elle avait fait le ménage, ça va. On peut aimer ses invités comme ça. Aïe, merde, jusqu'à tu fais même la salle de bain. Maman, on sait souvent que là où tu vas habiter, tu vas chez les gens dormir une semaine, maman. La maltraitance de ça. Surtout au pays, alors, au pays. Au pays, ma foi, tu as l'impression que tu n'as pas de maison. La façon dont on te crête. Maman, oh, j'ai dit que, hey, jamais, oh, je ne veux pas. Mieux, je me sacrifie. Oui, je fais ma part des choses, je suis tranquille. Là, tu vas aller habiter chez les gens, va croire que tu n'as jamais eu de maison dans ta vie. Comme ça. Ça, c'est pour les invités, l'accueil, tu reçois. Les gens sont fiers, sont à l'aise, ils n'ont plus envie de partir de chez toi. Ils sont tranquilles. Hein? Les lits, hein? 2 mètres par 2. Ah, ça va faire du bien. Il faut quand même nettoyer ça bien. Hein? Hein? Paye pas quelqu'un pour que la personne dorme là où tu es. C'est comment j'ai galéré pour avoir ça. Quelqu'un va venir m'abîmer mes choses. Ah oui, tu es. Moi, j'ai encaissé les moqueries. Ah, ça, c'est la plus grande terrasse. Celle-ci, c'est la plus grande terrasse. La plus grande terrasse. Comme ça. Vous savez que nous sommes au printemps. Il faut faire le nettoyage du printemps. Je vais commencer à inviter mes copines. Parce que c'est agréable lorsque mes copines arrivent. Comme ça, on fait la fête. Elles sont chez elles. Je suis chez moi. C'est ça. Elles sont à l'aise. Elles peuvent faire le Congo ça. Je ne veux pas les écouter. Et tout. Voyez. Aïe, maman. On peut aimer ses amis comme ça, Adama. La maison que beaucoup de gens même n'ont même pas ça. Toi, tu dis que ça, c'est la maison pour les invités. Aïe, maman. Pour celles qui veulent louer, louer aussi. Hein. Vous inquiétez pas en famille. La location, vous louez. Il n'y a pas de problème. Moi, je cherche l'argent. Vous avez compris. Il faut qu'on construise notre hôtel. L'hôtel qu'on va... je sais même que le nom qu'on va... Vous allez choisir le nom, mes copines. Vous allez choisir le nom. Je l'ai ouvert comme ça, là, le matin. Elle vient. Elle me fait ça. Je pense que ce sont les anciens locataires qui avaient... Ils ont quand même laissé ça propre. Parce que les locataires, lorsqu'ils viennent... je les exige quand même un petit ménage. Comme ça, c'est bon. Pourquoi c'est comme ça? Ils ont quand même nettoyé. Je croyais qu'elle était à passer. Et là, ils ont la vue sur la piscine. Et tout, je dois changer la table si les gens n'ont pas supporté l'hiver. Je peux amener ça même au Cameroun. Parce que c'est une belle table. Hein. Tu nettoies bien, tu ranges bien, tu mets ça dans un appartement. Tu es tranquille, maman. C'est tout. C'est qui là-bas? C'est la voisine. Ah, la voisine, elle est là. Je croyais que la voisine était à Paris. Ah, le joli masque. Un joli petit masque. Ah oui. C'est la voisine. Ouais. Tu as donc vu ce que ça fait? Tu as vu ce que ça fait? Tu as vu comment on a dit comment toi aussi tu coulais l'eau long? Tu as vu, ça fait mal. Hein? Aujourd'hui, tu es obligé de faire le diable. Tu veux, tu insultes 100 000 fois. Ça ne va pas empêcher mes locataires de venir. Ça ne va pas empêcher de que je bois du champagne. Je veux mettre les glaçons. Parce que j'ai une machine qui fait les glaçons. Donc, tu peux faire ce que tu veux, ma coyote. Ma cocotte. L'histoire va retenir que tu vends le piment. L'histoire va retenir que toi, tu es vendeuse de piment. Hein? L'histoire va retenir que tu es vendeuse de piment, ma chérie. Et quand tu vends le piment, range qu'on peut bien quand même. Sois un peu propre. Parce que sinon, tu vas avoir le genre de piment qui donne des maladies. Le genre de piment qui... que tu attrapes les maladies. Tu as compris, non? Maman. Le genre de piment qui tu attrapes les maladies. Sexuellement transmissible. Ouais. Valorise-toi. Mets-toi en valeur un peu. Un peu de faire déjà des bêtises à 2 balles.
croyait que quand l'homme voit déjà ça, lui, il sait déjà que lui ne peut même pas s'amuser. Parce qu'on dit que mes copines, l'argent appelle l'argent. Hein. Quand tu as ton mari aussi te donne. Vous avez compris, non? Qu'on ne vous mente pas. Je mets les glaçons. Je mets l'eau pour faire les glaçons. Parce que la machine, c'est que produit beaucoup de glaçons en peu de temps. Parfait. Maintenant, on fait comme ça. On arrive. Et ça marche tout seul. Dans 30 minutes, j'ai des super glaçons. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Je vous embrasse. Je reprends le numéro qui m'a appelé là. Bisous, ma queue.